Il est approximativement 21h17. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue sur cette manche, avant-dernière manche de ce Action 3 Regular Season. Nous sommes dans le Salon C et nous allons vivre une soirée exaltante, palpitante, de rebondissements et de belles bagarres, de saines bagarres, devrais-je dire. Même, nous aurons, si tout va bien, 13 acteurs au sein du salon. Les absents ne seront pas là, bien sûr, c'est un peu une évidence, comme dirait la palisse. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes sur le circuit de José Carlos Pache. Ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis le circuit d'Interlagos au Brésil, nous sommes à Sao Paulo, il est 19h15 hors heure locale, il a fait beau temps toute la journée et nous allons vivre, eh bien, cette avant-dernière manche du HC Champs 3 Regular Season avec de vrais passionnés, des fous furieux, des as du volant et qui nous ont promis du beau spectacle ce soir. Nous aurons une soirée teintée, donc aux alentours de 21h20, on va avoir test. D'ailleurs, je pénètre sur la piste, justement, et je vais rester sur l'hôte du salon. Je suis dans le salon, comme ça, voilà, pour le test de connexion. Et puis alors, normalement, à partir de 21h30, nous avons des qualifications qui vont débuter pour 20 minutes maximum. Après cela, eh bien, nous aurons droit à un tour de formation sans dépassement. Et puis, les pilotes auront droit à 10 minutes bien, pour vraiment se plonger dans la compétition, se désaltérer, se réhydrater et se concentrer surtout. Donc, une pause de plus ou moins 10 minutes. Et puis, alors, eh bien, le moment tant attendu. Nous serons partis pour 37 tours sur ce mythique circuit, donc de José Carlos Pache, le circuit d'Interlagos, un circuit qui comprend 15 secteurs, un circuit qui est donc au Brésil. Nous l'avons dit, c'est un circuit permanent et urbain. Il fait 4309 mètres. Il y a 15 virages à négocier. Il a été construit en 1938, ouvert en 1940. Il est homologué FIA de degré 1. De forme sinueuse. Il est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vois 9 pilotes pour le test de connexion. Eh oui, et je recasse. C'était juste un test, je recasse, j'espère que... Voilà. Oh, il semblerait que tout le monde démarre. On peut quand même regarder là derrière. Ouais, même Tuncheta. Renault n'a pas démarré. Siganka était dans le stand, mais peut-être pas à la manette. Et... Bien, donc voici, le test est en cours. Donc nous étions donc sans se contrer des aiguilles d'une montre. La capacité de ce merveilleux autodrome est de 119 000 places.
Les principaux événements de ce circuit, la Formula, le Grand Prix du Brésil, entre autres, la Formule 3 sud-américaine et le championnat du monde d'endurance FIA. Je ne sais pas si mon hôte a copié le salon de la semaine passée, auquel cas il serait peut-être judicieux de recréer carrément un salon. Parce que, bon, étant donné qu'on a eu des mises à jour entre-temps et donc des bugs corrigés, quand on traîne de salon en salon, de semaine en semaine, eh bien, voilà, les bugs ne sont pas forcément corrigés dans les salons déjà enregistrés au préalable et qui n'ont pas subi la mise à jour. Donc, il est peut-être préférable de reconstruire et de repartir à zéro. On peut déjà, on a un anniversaire ce soir et on le mettra sous les projecteurs. Voilà, je regarde. Salon D, salon B. Ouais, pas encore. Nous aurons un anniversaire donc de Yacine Belaba, alias Yas06. Un pilote que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises dans ce Axe Gem 3 Regular Season. Et on lui souhaite eh bien, un très joyeux anniversaire, même si nous sommes en fin de journée. Et surtout, eh bien, voilà, de briller parmi eh bien, tous ses concurrents aujourd'hui. De là à dire qu'ils seront peut-être indulgents vis-à-vis. De Yas, ça c'est autre chose. Hein, une fois que. Voici. Une fois que. Bon. La lumière verte s'est allumée. Eh bien, voilà. Le couteau entre les dents. Il faut batailler impérativement. Et donc, des fois, on oublie un peu. Voilà. On s'est entraîné pour faire du résultat. Nous sommes dans un championnat. On va vous présenter les différents protagonistes au fur et à mesure eh bien, de la séance qualificative. Et puis nous aurons tout le loisir eh bien, d'apprécier cette avant-dernière manche. Donc là, je vois que j'ai un HC Omarly VS. Je pense que c'est. Bon, j'espère que c'est toujours le même. J'aime ça. Use radar. Don't touch me. Pilote Tinchetta. Alors on voit, hein, donc voilà, Renault a pu rentrer. Nabil Ben rejoint le salon. Laurent 60. 77-11, pardon. Ah, hop. Voilà, non, maintenant, ça y est, il a pu rentrer aussi. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moi, le streamer. 8, 9, 10, 11, 12. 12 actuellement, et il m'en faut. Ils sont tous en piste. Allez, de nouveau un essai. Et nous allons nous mettre sur l'arrière du peloton.
seront 12. Voilà. Créneau n'a pas démarré. Tchinchetta non plus. C'est Twinchetta qui a des soucis. Reno n'a pas démarré. On vérifie. Ouais, Paoletta n'est pas avec nous, absolument. Paoletta n'est pas avec nous. Alors que, bah voilà. Il vient nous faire un petit coucou dans le salon. Alors, il semblerait qu'il y ait des incompatibilités dans le salon. C'était juste un test de connexion. On peut revérifier. On est bon de ce côté-là. Voilà, les qualifications démarreront dans une minute. Ah ouais, on a un Red Bull Porsche qui débarque qui n'a rien à voir dans l'histoire, hein. Voilà, donc le accès en résumé, et là maintenant vous commencez maintenant, hein, à l'avant-dernière un peu à connaître, et eh bien donc tirage au sort des véhicules par rapport aux inscrits. Salut GTFR, BX Vibes, bonsoir Eric Spolo, allez, Jeu d'Arc. Et puis on a Géo74VR46 qui souhaite une bonne course à tout le monde. Et donc je disais, hein, le accès, eh bien, particularité, hein, tirage au sort des véhicules attribués aux pilotes. Il me semblait que j'avais pris note et je... Mais avec ma bonne tête, voilà. Je vais vous donner ça tout de suite. Donc on a un classement constructeur actuellement. Voilà. Je l'ai là sous les yeux. Où, eh bien, Mazda domine de la tête et des épaules, comme j'ai l'habitude de dire. Mazda qui est leader de ce championnat avec 8618 points. Jaguar F-Type 8244 points. Mercedes SLS en embuscade, 3ème place, 8176 points. Aston Martin est quatrième avec 7702 points. Et pour clôturer, eh bien, l'Honda NSX accumule 6009 points.
points. Donc en fait, 5 constructeurs. Et hors de ces 5 constructeurs, eh bien, on tirage au sort. Et comme il y avait plus ou moins 60, voilà, il semblerait que tout le monde soit parti. Non, c'est Igayanos qui n'est pas parti. Si l'autre nous lâche, là, c'est un peu embêtant. Et donc j'étais sur la présentation constructeur, donc plus ou moins 60 pilotes inscrits avec les wildcards, et donc ça fait une moyenne de 5 pilotes par constructeur, et comme ça les choses sont équilibrées. Et donc c'est Mazda qui se montre la plus diversifiée, la plus pour les différents circuits. Et bien sûr, comme je me tue à le dire, c'est le pilote qui fait le véhicule et pas le véhicule qui fait le pilote. Je pense qu'on va avoir très belle course aujourd'hui sur cette piste très sinueuse, très technique qu'est le circuit anciennement Interlagos. Un circuit qui a été rebaptisé José Carlos Pache. Bon. Il semblerait que nous allons bientôt vivre. Les débuts de qualification. Joe Dark n'était pas sur la piste, pas plus qu'Igayanos. Il y a pas mal de pilotes, quelques pilotes. Pardon, quelques pilotes qu'on a déjà croisés à travers les différents lives que nous avons faits pour la Helvetic Community. Et là maintenant, il va être temps de passer aux choses sérieuses. Ah, il nous change. Paramètres, histoire de commencer les qualifications. 21h35 minutes. Alors, Fmage, bonsoir à tous et soyez cool avec notre vétéran Yas, c'est son anniversaire. Ouais, on peut larguer, mais ça, ce sera en fin de live. Si on veut larguer un petit pouce bleu, et n'hésitez pas des commentaires aussi, pour autant que ce soit constructif et pas assassin. Eric Fred, ouais, va venir nous rejoindre. Je pense. Et nous aurons donc le nombre de participants qui est sur ma liste. Alors, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti! Les qualifications auront lieu et débutent. À l'instant. Alors, c'est le seul pilote que je n'ai pas dans ma liste. Paoletta.
Invité de dernière seconde. Alors, on va faire ça vite. Étant donné qu'on a tout sous la main. Paoletta, il pointe à la 45e place. Il a le numéro 83. Il roule en Mazda et il a engrangé 269 points au classement général. On va le rajouter sur la petite liste. Paoletta. Paoletta 06. Absolument. On retrouve un pilote de la GTFR. Sitak 1 à bord de son Austin Aston Martin. Aston Martin, pardon. Il est 46e au classement général. Il pointe avec 256 points. 46e. Le pilote avec le coq tricolore. Sitak 1 en piste sous vos yeux. Nous avons un pilote que nous avions en salon A qui n'avait pas pu rentrer, problème de connexion. Enfin, il y avait. Il y avait eu quelques soucis. Siganka. Un pilote qui est classé 7e au classement général et suite donc bien à ce problème d'entrée de salon, se retrouve en salon C ce soir à bord de sa Mercedes SLS 2011, si mes souvenirs sont bons, absolument. Nous avons un pilote que je découvre en même temps que vous. Edex 12, 34e actuellement au classement général. Avec 455 points, il est à bord de la Mazda Atenza, groupe 3. Inutile de vous rappeler que les véhicules étaient tous tirés de la groupe 3. Nous avons ensuite ce pilote aussi. Un nouveau pilote que je découvre en même temps que vous, Laurent 7711. Laurent, il est 41e, il roule sur Mercedes, il a 340 points au compteur. Très heureux de découvrir ce pilote. Du côté Helvète, nous avons HCO Marty. Pardon. HCO Marly. VS O'Marly. Qui est 55e au classement général. Qui a accumulé 80 points. Et qui roule en Mercedes SLS. SLS AMG GT3 de 2011. 55e au classement général. Nous avons sur la piste ce soir Renault 41 à bord de son Aston Martin V12 Vantage GT3 de 2012. Renault qui est 43e au classement général, 295 points. Aston Martin, comme je finissais de le dire, il y a un compatriote à Renault 41. Le voici. Twincietta. La première Honda NSX Group 3. Sous vos yeux.
Twinchetta, 29e au classement général de 549 points accumulés à bord de cette Honda. Ce n'était pas la voiture la plus évidente à maîtriser dans ce championnat. Ils ont appris, forcément, hein, nous sommes à la 11e, donc ils ont appris à l'apprivoiser, la dompter, et elle se révèle, eh bien, vraiment très bonne concurrente et peut-être très bonne outsider dans ce genre de circuit. Un peu plus technique, un peu plus accrocheur, plus sinueux. Donc ce sera une catégorie de véhicules à surveiller lors de cette course. Je regarde. Alors, qui est en 4 Eh bien voilà, le voici. Happy birthday to you, Yas 06. Il paraît que c'est un vétéran, mais bon, chut, ça c'est entre vous et moi. Hein, bon, il fête un joyeux anniversaire aujourd'hui. Il pointe à la 37e place du classement général. Il a engrangé 427 points. Et il évolue sur Aston Martin. Encore un très très joyeux anniversaire à Yacine. Je suis pas sûr que les collègues de la piste seront indulgents ce soir. Mais en tout cas, eh bien voilà, dans les essais libres, il pointe à la 4e place. Donc on pourrait peut-être avoir, eh bien pourquoi pas, un beau cadeau. Et j'ai vu que c'était un pilote de goût. Il a le logo de la BSR TV Simracer sur les flancs du véhicule. Très gentil et merci pour le clin d'œil. Nous, on continue la présentation et on va descendre un petit peu plus bas. Forcément, nous avons l'hôte de ce salon, Higuéanos. Il évolue sur une Mazda. Il a engrangé 427 points jusqu'à maintenant. Il est 35e au classement général. C'est l'hôte de la soirée. C'est lui, le boss du salon. Et on le remercie d'ailleurs de nous accueillir au sein de ce salon et tout particulièrement de cette HC Team 3. Regular season. On le retrouvera un peu plus tard dans la soirée. Nous avons Géo 74 VR 46. Tout ça. Alors, je l'ai là, Géo. Il est 38e au classement général. Il est en Jaguar. Il a engrangé 403 points. Et on voit le beau coq de la GTFR. Et un très beau 46. Sûrement en hommage au pilote de vitesse pure, Valentino Rossi. Alors, 13e place et dernier à s'être élancé, Eric Spret, ED7. Il est 42e au classement général. Il roule sur Jaguar. Il a engrangé 300 points. Très bien pour lui. Nous aurons la chance de découvrir ce pilote. Je n'ai pas eu la chance de les rencontrer tous. Et ben voilà, malheureusement. Donc il me manque. Si Higuéanos est sur le live, il me manque BFR Jodark 69 qui devrait être avec nous et Nabil Ben qui devrait être avec nous. Et BFR Citic devrait être avec nous aussi. Je peux refaire un petit tour comme ceci.
Ouais. Voilà, je reviens là pour être sûr. Et puis, je dois revenir ici. Ils sont 13. Il m'en manque 3. Et nous sommes... Voilà, on vient de passer les 11 minutes de qualif. Ah, le voici, Jeu d'Arc! BFR Jeu d'Arc! Eh bien, je ne te voyais pas. Donc, Jeu d'Arc est bien avec nous. Et donc... Ça c'est très bien. BFR Jeu d'Arc, 54e au classement général. Il roule sur Honda NSX. Il a 94 points accumulés depuis le début du championnat. Jeu d'Arc 69. Alors, est-ce qu'on a récupéré d'autres pilotes pour l'instant? Non. Nous avons donc Paoletta qui s'est invité à la table. Très bien hein, pour le moment. Donc, Jeu d'Arc qui signe une 30-429 au troisième tour. Il est tenu en respect par Siganka en. Siganka, pardon. Siganka. En 1.31.165. Pour autant dire, voilà, 736 millièmes d'écart. Et alors, on use un peu du carburant. On va aller changer les pneus. Histoire... bien d'être encore un tout petit peu plus performant. Il signe le troisième temps pour l'instant de ses qualifications. 1.31.417. Il y a 988 millièmes entre Eriksfred ED7 et BFR Jeu d'Arc. Quatrième temps pour l'instant. Renault 41. Meilleur tour, 1.32.098. Arthur Martin Condé, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Eric Spolo, bonsoir, bienvenue. Installez-vous. Voilà, à votre aise, nous allons passer à peu près une heure et demie, à peu près aux alentours d'une heure et demie ensemble. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre la canette et enfin, voilà, de l'eau, de quoi vous désaltérer et... Paper Willy Poche, ça me dit quelque chose, ça. Ou c'est Paper Willy Poche. Renault est quatrième. Oh, une seconde, 669 millièmes. Et Gaianos est cinquième dans ses qualifications. 1.32.127. À 29 millièmes de seconde de Renault. Autant vous dire, un mouchoir de poche. Eh bien, le championnat, c'est le HC Champs 3 Regular Season by LVT Community. Ça, c'est pour répondre à la question. Sixième temps actuellement.
J'étais faire Sitak. Le seul pilote du plateau qui roule à l'ancienne, sans ABS. Et qui nous offre une petite figure de style. Merci pour la cascade. Une 32-495 réalisée au cinquième temps. Bonjour Laurent, merci Laurent. Est-ce que nous devrions encore recevoir des pilotes? En attendant, on va faire un petit tour du côté de cette page. Voici, voilà. Avec les 13 protagonistes. Ils roulent tous en course super tendre. C'est bien BFR Jodark qui signe actuellement le meilleur tour, une 30-429, et il est suivi de Siganka, Eric Fred, Renault 41, Igeyanos, Yas 06, GTFR Sitak, Paoletta 06, Edex 12, Twincheta, Laurent 7711, HC Omar Lee VS et Geo 74 VR 40. 36 entre Géo et donc Géo qui fait une 33026 et Jeu d'Arc une 30429. Voilà, ça va faire mal aux yeux, je m'excuse. Voilà, hop, hop, voilà. 2 secondes 597 entre le meilleur temps et le moins bon. Mais ça bouge un peu. Allez, espérons-le. Il leur reste 12 minutes. Qu'est-ce que je dis là, moi? 2 minutes. 2 minutes de qualification. C'est 20 minutes, les qualifs. Voilà, il leur reste 2 minutes. Et on peut peut-être déjà... Eh bien... On peut peut-être déjà faire un petit screen. Hop, attention, vous allez avoir un écran bleu. Voilà. La capture d'écran est faite. Voilà. Si vous voulez suivre le salon, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur la chaîne de mon ami Fastwinder qui stream le salon, hein. Nous avons eh bien GTFR Rabougri pour les hosts en A. BFRJ 84 à confirmer. Salon B sous le CIM 17. Igeyanos pour le salon C. Et le salon D de Forcas 06. Point de vue streamer, BFR TV, salon A. ZFX Dardrek de la ZFX Motorsport TV en salon B. Et le salon D, c'est Willusan de la LCES qui vous accompagnera tout au long de cette soirée. Je pense que nous allons avoir droit, eh bien, au tour de formation. Ils sont bien 13 dans la partie. Je vais me placer sur l'arrière du peloton et voir que peut-être... Voilà, là ça démarre très bien.
Ici aussi. Tout le monde a démarré. Ouais, un peu laborieux malgré tout. Théoriquement, ils partent à boulet de canon, mais ils devraient quand même toutefois garder la place qu'ils occupaient en qualification. Je vais me mettre sur le centre. Absolument. C'est un tour de formation, un tour de chauffe, un tour de présentation des véhicules qui ne dure qu'une minute 30, 35, donc. Aussi un peu l'arrière du peloton. Absolument. Si Tac rappelle que c'est un tour de formation, que ça ne sert à rien de partir à balle de guerre. Il a quand même signé la pole position. On va lui faire un peu d'honneur. BFR Jeux d'Arc 6-9. Ok, Ilianos. Alors moi je te conseille sérieusement, voilà, si tu veux, ben, refais carrément un salon. Ne repars pas sur la feuille que tu as déjà, mais refais vite un salon. Et peut-être que ça corrigera les petits défauts. Si tu m'entends à travers le live, je pense. Donc on a des petits soucis encore une fois de bugs et autres. Alors tout le monde est passé. Ouais. Ok. Je vais juste vérifier. Ok. On a. Bah oui, voilà. On en discutait cet après-midi, justement, de tous ces soucis. En fin de compte, il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne par rapport à la bonne tenue de ces salons. Et voilà, il y a tellement des paramètres qui viennent encombrer la bonne tenue que ça devient des fois un peu exaspérant du fait que, eh bien, ces salons, voilà, on part d'une bonne volonté et puis sans rien comprendre, on ne peut pas y accéder, on est déconnecté, on ne peut pas démarrer et c'est frustré. Croyez-moi que bien, on s'en va ne comprenant pas ce que l'on doit faire exactement parce que il y a tellement des paramètres. Un pilote peut vous bloquer par le seul fait qu'il a une meilleure connexion que la vôtre ou que les pins de connexion ne sont pas tout à fait compatibles. Vous pouvez être compatible, mais votre réseau étant moins fort et l'autre étant super fort, et eh bien voilà, ça peut aussi engranger des soucis. On a peut-être aussi peut-être le poids des serveurs avec un jeu qui devient bah, de plus en plus lourd parce que on est à plus de 100 gigas aujourd'hui pour GTS, donc voilà. Tout ce qui est processeur et autres, bah, voilà, ça tire un peu la bourre, donc voilà, ça tire la langue. Alors, nous avons, ouais, vous assistez tout comme moi, hein. Tout ça c'est du direct, on ne stresse pas, il est 22h02, le salon d'Igeianos devrait arriver sous peu. Auquel cas,
Eh bien, bon, quelqu'un, je vous chante une chanson, voilà quoi, pour faire passer le temps, quoi. Non, je pense pas que ça vous plairait, non. Et puis, on n'est pas dans ce registre-ci sur la BSR TV Sim Racer. Donc, on a supporter sur la chaîne. Eric Spolo est là pour soutenir Fred et Jeanne d'Arc. Alors, où est-ce qu'on en est dans la construction du salon C? Non, toujours pas. Allez. Presque. HC Champ, Regular Season. Salon B. Salon D ouvert. Figurez-vous que je ne vois même pas le salon A. Alors, c'est que c'est pas Jay qui l'ouvrait. Peut-être son acolyte. Pas. On va patienter encore quelques secondes, le temps de reparamétrer complètement le salon peut-être. Ça prend toujours quelques minutes. Non. Non. Je vois plusieurs choses presque intéressantes, mais qui sont hors sujet ce soir. Vous pouvez lâcher un petit commentaire, hein, vous pouvez, voilà, nous sommes en phase de transition. Théoriquement, là, bien, c'était la pause de 10 minutes. Et je vérifie encore une fois. Non. Je ressors peut-être. Ouais. Et on va faire un petit vide cache pendant ce temps-là. 917. 926. Le cache est vide. On revient sur la proposition des salons. Je n'ai pas de salon C. Ah, alors là, ça m'embête, hein? Oh, ça va arriver, si ça m'en sous peu. Eh bien, voilà, on doit meubler, comme dirait l'autre. Meubler, 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 meubler. Meubler sur, bah, par exemple, le circuit. Hein. Le circuit qui se situe à São Paulo. Plus communément appelé circuit Autódromo de Interlagos au Brésil. Baptisé récemment. Oui, salut, si t'as... pareil que toi. Si je trouve le salon. Donc, l'autodrome dit Interlagos qui a été rebaptisé José Carlos Pache à la suite de rénovation. Je suis dans la même attente que toi, si t'as... Bon, allez, on va dire que malgré tout, c'est le moment de la pause. Hein. On a fait les qualifs, on a fait le tour de formation. Et théoriquement, là, vous aviez droit à un petit break de 10 minutes. Bon, c'est un petit break
commence un tout petit peu à nous stresser légèrement, hein, parce que voilà, j'ai le DLB en visu, mais je n'ai pas de salon A ni de salon C. Donc, on patiente. On patiente. Vous êtes nombreux ce soir sur le live. Ça va, ça vient. Ah, c'est rabougri pour le salon A. Ok, eh bien tu vois, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas dans ma liste d'amis. C'est pour ça que je ne le vois pas aujourd'hui alors. Ouais. Ah! Dis! On y va? Le salon est ouvert. Voilà. Ils sont déjà 12 à être... Ben oui, on est au taquet ce soir. Non, voilà. Tu peux... si tac, tu peux revenir. On y est. Oui, allez, go. Je me suis permis donc pour faire un peu genre que j'avais une groupe 3 pour la présentation du salon. Et puis il est toujours judicieux d'avoir un véhicule attribué si voilà s'il y a une définition particulière de participation. On a récupéré Nabil Ben 00, semblerait-il, que pilote 39e au classement général. Il va rouler sur Honda. Il a le numéro 399. Il démarrera, eh bien, en fond de ligne parce qu'il n'a pas eu l'occasion, eh bien, de faire les qualifications. Et Higuaínos nous stipulait départ dans 5 minutes. J'espère qu'il n'y a pas 4 minutes de cela. Mais alors, Nabil Ben, est-ce qu'il pénètre le salon? On est full ce soir, dirait-on. Bon, il restera encore 2 places. Ouais, on n'est pas trop mal, hein. Donc, Nabil Ben, pourquoi ne rentre-t-il pas? On le découvrira tout à l'heure. Nous sommes dans... Alors, bonsoir, somme 250. Bonne chance à Siganka. Ok. Eh bien... C'est très bien de venir supporter vos pilotes préférés. Quelle bonne idée de passer une soirée sur la BSRTV Simracer. Ah oui, moi je me réjouis de voir le spectacle qu'ils nous ont préparé ce soir. Ah donc c'est bien au Marty. Au Marty. On va corriger ça parce que Omar Lee, Omar Sy, Omar. Non, c'est Omar Ty. De la HC. De la Helvetic Community Team. Nous avons. Les nations ne sont pas importantes dans ce championnat, pas plus que les teams. Parce que tous les pilotes ne roulent pas forcément en team. Nombreux, oui, mais pas tous.
Voilà, donc pas faire des généralités. L'accent est mis ici sur le pilote et sa monture. Et ça nous donne l'occasion, eh bien, voilà, de suivre HC Omarty VS. Et je pense que c'est un nouveau compte de présentation. Voilà. Ils se font des politesses, ils se promènent, ils profitent de la piste. Ils attendent surtout, eh bien, le lancement de cette avant-dernière manche. Renault est sorti pour prendre des photos. Ah non, 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 c'est le journaliste qui est derrière, qui photographie. Race for fun by Renault. On refait un test de départ. On va refaire un test de départ afin de s'assurer que tout le monde pourra partir. Quand même beaucoup plus gai. Ah non, voilà. Départ direct, plus de tests de départ. Donc là, si ça coince, bien messieurs, suppliez. Ça devrait aller d'après l'hôte de notre salon. On va lui faire confiance, hein, dites, voilà, hein, s'il vous plaît, un petit peu. On enlève le nom qui se trouve au-dessus des véhicules. On voulait les mettre? Non, on va les enlever. Quoique ça nous permet de voir les petites erreurs. On peut peut-être. Ça, c'est assez judicieux pour les stratégies. Ça, c'est. Bah, somme toute, le plus facile afin de pouvoir suivre les différents protagonistes au travers, eh bien, du classement général. Par contre, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire ceci. La finale est lancée. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Eh bien, mesdames, messieurs, préparez-vous. Le spectacle va commencer. 37 tours sur cette piste qui fait 4309 mètres. Ils auront 15 secteurs à négocier. Renault 41 qui reste sur le début, la ligne. Et de nouveau, un bug. Ah ouais. Et il semblerait que ce soit moi le souci. Je ne vois rien. Renault, il est parti, il est deuxième. Et Dex. Omarty, sortie de piste. Semble bien. Ah,
Nous allons passer encore une soirée exceptionnelle. Alors, qui fait quoi et pourquoi? Semblerait que, quelques soucis, encore une fois. Alors, espérons que ça va fonctionner cette fois-ci. Reno a quitté le salon et à ce moment-là, Ilianos lance la finale. Il nous manque un pilote sur la ligne. En l'occurrence, Reno 41. On est parti. Tout le monde était lancé. Il semblerait bien que oui. Pourquoi je ne prends pas? Pourquoi je ne prends pas? Gaianos qui fait l'intérieur de Yas. Pardon. Nous sommes à bord de la voiture d'Igayanos. Il me met qu'il est quatrième et il y a. Il nous manque sacrément. Je n'ai. Un gros bug de nouveau. Pour ma part, je ne vois pas tous les pilotes. Allez, je vais quitter. Quelques secondes. Je pense qu'ils vont peut-être faire restart pour le copain Reno. Voilà. Ok. Je vais faire encore mieux que ça.